Je pense qu'il est d'abord louable de vouloir informer les consommateurs, c'est bien, mais malgré tout, j'ai l'impression que nous vivons ce produit vit une véritable injustice, cette injustice qui touche à ce produit, qui est un produit phare de l'Aveyron, bien entendu, qui est une grande valeur du patrimoine gastronomique aveyronnais et français, un produit qui fait la fierté de l'Aveyron. Je crois que la Roquefort est une véritable filière d'excellence qui a engagé tous ses membres dans une démarche extrêmement vertueuse. Et le Roquefort est un fromage fabriqué à partir de lait qui est produit par des brebis qui bénéficient d'une alimentation extrêmement riche. Elle est naturelle, elle est riche, elle est variée et elle possède donc une grande valeur nutritionnelle. Et paradoxalement, c'est cette grande valeur nutritionnelle, cette richesse qui met ce produit en danger au regard du Nutri-Score. Donc il me paraît important aujourd'hui de revoir, de faire preuve de bon sens d'abord. Le Roquefort, lorsqu'on est à Véronée, il se partage avec tout le monde. Et toutes les occasions sont bonnes effectivement pour goûter le Roquefort et le faire aimer à tous ceux qui le découvrent avec nous.